Stéphane Place, bonsoir, vous êtes à Saint-Léonard de Nobla, c'est là qu'il vivait paisiblement et qu'il est donc décédé. Oui, et ici à Saint-Léonard de Nobla, une avenue et un stade portent déjà le nom de Raymond Poulidor. Mais dans cette commune de 4800 habitants, au-delà du champion, c'est la simplicité de l'homme dont on se souvient. Il venait chercher son journal tous les matins à la maison de la presse que tient Marie-Jeanne Meillac. Son vélo posé là, devant chez les commerçants, et sa baguette sous le bras. Son sourire quand il passait la porte. Son journal, c'était l'équipe. Très abordable, très gentil. Tous les matins qu'il venait, il y avait toujours des copains qui le rejoignaient. Là, il parlait des résultats sportifs. Ça va faire un vide, ça c'est sûr. Raymond Poulidor avait ici des amis qui le connaissaient depuis plus de 60 ans pour certains. C'est le cas de Jean-Claude Micot. Quand on a eu des parents qui étaient cultivateurs, ses frères qui travaillaient à la ferme, ils savaient ce que c'était que le travail. J'étais toujours avec lui. Il a passé quand même 47 jours à l'hôpital de Saint-Léonard. Et la première chose qu'il me disait, ah, tu vas me parler des actualités. Je lui ai parlé des principaux événements sportifs. Je lui ai parlé quand son petit-fils a refait son premier cyclocross le premier dimanche de novembre. Mais il était content parce qu'il en était fou de son petit-fils Mathieu. Et jusqu'au bout, disent ses copains, Raymond a parlé de cyclisme, ce sport auquel il devait son incroyable popularité. Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Léonard.